passé, que le temps qu'on a perdu, on ne retrouvera plus. On se libère des jugements et de toute confiance. Tout le monde, bienvenue sur mon live aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un live spécial, c'est un live fête des mères. Je vais laisser un peu les gens arriver tranquillement sur le live et je vais vous raconter un peu ce qui va se passer aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aurais aimé avoir une invitée spéciale, mais elle est trop veinée. Ben oui, j'ai demandé, j'ai dit, maman, tu voudrais-tu venir 5 minutes sur mon live? Ah, ne me demande pas ça pour l'amour du bon Dieu. Bon, ben, écoutez, je respecte ça, il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, mon émission lui est dédiée, ou presque, et dédiée aussi à tous les mamans aussi incroyables que la mienne. Donc, aujourd'hui, bonne fête des mères à tous les mères du monde entier. Alors, hier, puis cette semaine, les chansons du jour portaient sur les chansons que j'ai écrites justement pour rendre hommage et à ma mère et aux mères de ce monde. Alors, Nicole Garceau, salut ma Nicole, Nicole Caron, Carmen Tanguay, Joanne Cormier, salut, Richard Summerside, salut mon Richard. J'étais heureuse cette semaine de passer dans votre coin puis d'aller vous mettre un petit « ça va bien aller ». Edwidge, alors tout le monde qui, je vous laisse tranquillement vous connecter et puis je vous parle un petit peu de comment ça va se passer le live aujourd'hui. Il va être spécial celui-là parce que bon, premièrement, il n'y aura pas d'invité. Salut Philippe Duval, Patrick. Hey, quand même, il fait super beau à l'extérieur, mais je vois que vous êtes quand même à l'intérieur là, pour pouvoir assister à ce live. Ben, merci d'être là, ça me fait plaisir, ça veut dire que je ne fais pas ça pour rien. Ah, Daniel Momo. Ah, bienvenue, Daniel. Alors, aujourd'hui, il y aura plus de chansons qu'à l'habitude. Normalement, il y a 4 à 5 chansons si j'ai le temps. Puis aujourd'hui, ben, il y en aura 6 à 7. Puis, je crois bien d'avoir le temps puisqu'il n'y aura pas d'invité. Donc, puis, je vais raccourcir un petit peu dans ma bio. Donc, normalement, c'est ce que je fais. Je donne les nouvelles artistiques, qu'est-ce que j'ai fait dans la semaine. Ensuite, je fais ma petite bio. Cette semaine, c'est l'année 2006. Mais c'est parce que 2006, en fait, il y a tellement de choses à dire que je vais le faire en 2 fois. Comme ça, ça va me donner plus de temps pour pouvoir faire le spécial Fête des mères aujourd'hui. Donc, je vais le faire en 2 fois. Donc, il y aura ça. Et... je vais commencer par une première chanson, puis après ça, je vais vous parler, parce que si je veux que ça avance un peu, puis après ça, je vais vous parler de ce que j'ai fait cette semaine. My God! Moi, les semaines, c'est bien de valeur, là. Confination ou pas, confinement. Confination. Confinement ou pas, là, moi, je travaille, puis je t'en travaille une shot. Eh, Seigneur, juste samedi, normalement, samedi, on est en congé. En tout cas, mon chum aimerait ça que je sois en congé. Ben, j'ai fait 50 masques. Ouais, messieurs, mesdames, 50 beaux masques. Ça se vend bien, c'est fun. Hey, ma belle Karine. Colin, je te vois pas. Je te sais là. Je suis tellement heureuse. Marie-Ange, je pensais voir Louisette. Ben oui, Marie-Ange, tu pensais voir Louisette. Hein? Ben oui, Louisette, elle veut pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je sais qu'elle est là. On va parler d'elle, ça va être mieux. On va parler d'elle en arrière d'elle. OK. Alors, je vais commencer avec une première chanson de ce spécial-là. Alors, si je chante aujourd'hui, c'est grâce à... On va dire grâce à 2 personnes. Grâce à mes parents. C'est vraiment eux. Ma mère m'a portée en chantant. Elle m'a accouchée en chantant. Et depuis ce temps-là, ma vie, c'est une chanson. Complètement. Alors, chaque jour, mes parents chantent encore tout le temps, tout le temps. C'est des parents extraordinaires. C'est pour ça que je veux leur rendre hommage. Là, aujourd'hui, en l'occurrence, c'est ma mère. Bientôt, ce sera la fête des pères. On fera un petit spécial sur les pères. Sur les hommes parfaits. Mon père pourrait rentrer dans le spécial homme parfait. Pensez-vous que ça existe? Je suis pas sûre. En tout cas... Alors, si j'ai commencé à chanter, c'était à leur 30e anniversaire de mariage. J'avais fait ma première... Dans mes premiers bio, là, les premiers temps, vous l'entendez, ça. J'avais fait une première cassette, là, avec leur chanson préférée.
Et puis ensuite, ben, ça a été le 40e. Il y a eu toute l'évolution. Je ne recommencerai pas toute ma bio, là. On ne va pas passer par là. Mais il y a eu toute l'évolution. Et puis, quelques années après, j'écrivais la chanson L'Héritage. Alors moi, comme je le dis dans mes spectacles, quand j'annonce cette chanson-là, quand j'ai l'occasion de la faire, je me considère riche. Je me considère riche à craquer. J'ai une richesse en héritage qui est plus incroyable que toutes les richesses de la terre. C'est l'amour. Mes parents sont des êtres extraordinaires. Alors, au lieu de vous jacasser ça, je m'en vais vous chantailler ça. Alors, voici ce que j'ai reçu en héritage. Elle fredonnait à chaque jour les plus belles chansons d'amour. Il y a de la douceur dans ses yeux, de l'amour pour nous et pour Dieu. Elle murmurait pour m'endormir des chansons qui m'ont fait rêver. Elles sont mes plus beaux souvenirs, elles sont mon besoin de chanter. Elle m'a donné en héritage la vie, la foi et le courage pour pouvoir donner à mon tour cet héritage qu'est l'amour. Il est mon exemple de sagesse, d'honnêteté et de tendresse. J'ai toujours voulu dans ma vie le ressembler, être comme lui. Lui, il m'a appris à donner de tout mon cœur et sans compter. Il a toujours aimé la vie, tout s'illumine quand il rit. Il m'a donné en héritage la vie, la foi et le courage pour pouvoir donner à mon tour cet héritage qu'est l'amour. Ils sont tout doux pour moi toujours, les vrais visages de l'amour. Ce sont eux qui m'auront appris à aimer Dieu, aimer la vie. Ils ont toujours su écouter, ils m'ont appris à ne pas juger. Aujourd'hui, ce que j'ai reçu d'eux, c'est ce que j'ai en moi de mieux. Ils m'ont donné en héritage la vie, la foi et le courage pour pouvoir donner à mon tour cet héritage qu'est l'amour. Ils m'ont donné en héritage la vie, la foi et le courage pour vous donner à mon tour cet héritage qu'est l'amour. Merci beaucoup. Et en même temps que je chantais, j'étais en train de lire quelques petits messages au passage. J'essaie de lire le plus possible, de voir les gens qui se connectent. Salut ma belle Cathy, cet héritage qui est l'amour.
J'aimerais souligner quelque chose d'important. J'ai la chance d'avoir mes parents encore. Quelle chance immense, quelle grande chance de pouvoir en profiter. Mais là, je viens de voir Cathy qui passe. J'ai mon conjoint Christophe qui écoute en ce moment. J'ai aussi Pascal qui disait « Maman, que tu me manques ». J'ai la chance d'avoir ma mère. Et il y en a d'autres que non, qui n'ont pas la chance. À la fête des mères, je suis certaine que tout le monde a eu une pensée pour leur mère, qu'elle soit là ou qu'elle soit dans un autre monde. Une mère, c'est terriblement précieux et jamais on oublie ça. Donc, quand ça part, c'est un morceau de notre cœur qui part. Ce matin, j'ai mis une chanson à la une que je vais vous faire un petit peu plus tard, puis je vais vous en parler aussi plus tard. Alors, merci beaucoup pour tous les beaux petits mots. Là, je les lis, là. Je ne veux pas me déconcentrer dans ce que je vais avoir à dire. Alors, aujourd'hui, je veux vous... Ah ouais, je me suis mis des timers, là, pour être sûre de ne pas dépasser mon temps. Alors, voilà, je vous dis ce que j'ai fait cette semaine. Les masques, hein, j'ai une effet de 50, petit masque. J'ai préparé les commandes parce que j'ai eu mes bacs. Donc, j'ai préparé les commandes. Il y en a beaucoup, là, qui m'ont commandé des choses. Je vois qu'il y en a qui sont à l'écran, qui m'ont commandé des affaires. Regardez donc, je vais aller vous montrer quelques-unes des commandes que j'ai réussi à préparer, là. Attendez, je vous vire ça de bord. Bon, Mélanie Larouche, es-tu là? Mélanie Larouche, elle m'a demandé des tasses pour toute sa famille. Alors, une tasse pour son mari, pour sa fille, pour son garçon, et puis pour elle, c'est les tasses Gaston en confinement. Ça va bien aller. Puis là, tu as toutes les petits, ils sont toutes... Moi, je prends la peine de personnaliser les tasses. Hein. Vous avez tous vos noms dessus. Allez, j'aimerais remercier René Boulet pour ton petit cadeau. Il est super! Alors, là, c'est une de partie de la commande de Aline. Elle m'a demandé un coussin Belle Rebelle. Elle m'a demandé... Celui-là, je l'aime bien gros. C'est un chandail, une petite robe sexy. Aussi, il faut dire hein, que je... Bon, alors... Toutes ces tasses-là, ça, c'est la tasse. Ça, c'est une tasse qui, normalement, là, elle est rouge, mais quand elle va mettre de l'eau dedans, ça, c'est la tasse de Christiane Thibault. Quand elle va mettre de l'eau dedans, elle va venir blanche et puis son logo va apparaître. Christiane, je ne sais pas si elle est à l'écoute. Ici, c'est la tasse d'une amie aussi qui me fait beaucoup, beaucoup jouer, Sylvie Rivard. Sylvie, tu m'avais demandé une tasse noire, il me restait juste des bleus, mais maudit qu'elle est belle. Quand l'eau va être dedans, tu vas voir, ça va être magnifique. Elle m'avait demandé ça avec des leggings, et puis un chandail Belle Rebelle qui est là. Je ne passerai pas au travers tout ça, là, c'était juste pour vous montrer. Vous avez vu ma petite robe sexy, là? Ça, c'est tous mes vêtements. C'est tout avec des slogans ou des trucs que je raconte dans mes chansons. Comme, je suis découragée, j'en pue dans ma petite robe sexy. Ben, j'en ai fait des petites robes sexy. Regardez-moi ça, c'est cute. Bon, ma petite robe sexy, voilà. Ça, c'est une des petites robes sexy. Puis, inquiétez-vous pas, tout le monde rentre dedans. Puis, même si vous avez un petit peu plus de bourrelet, c'est pas grave, ça va rentrer dedans. Cherche pas, j'ai raison. Ça, c'est des trucs que je dis souvent. Je suis parfaite et je le fais pas exprès. Moi aussi, j'ai une petite robe sexy et j'en ai pour les enfants des petites robes sexy. Puis là, il y a Teenager Belle Rebelle. Et puis voilà. Oh, puis il est où le bonhomme? Puis, il va y avoir des chandails apéro parce que dès la semaine prochaine, c'est « Oh, 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 c'est l'heure de l'apéro. Oh, 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 on sort le clamato. » Ça, c'est des vêtements de sport. Voilà. Bon, ben voilà. Alors, chaque semaine, je vais vous montrer des trucs, des produits que je fais. Ah, tiens, parlant d'apéro puis des produits d'apéro. Tiens, je vais vous montrer ma petite tasse apéro. Oh, attends, oh, faut la mettre à terre, ça va aller mieux. Oh, 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 c'est l'heure de l'apéro. Puis d'autre côté, c'est moi avec mon clamato. Puis j'ai des gourdes aussi comme ça. Oh, oh, c'est l'heure de l'apéro. Puis, ben là, celle-là, vous l'avez vu la semaine passée. Alors, pour les apéros, là, ça va être bon, ça. Bon. Assez.
passer pour aujourd'hui. Alors, des choses, là, j'ai hâte d'avoir ma boutique mieux établie parce que là, je viens d'avoir mon matériel pour pouvoir continuer de le faire. Donc, mais un coup, la boutique bien établie. Hein, Cathy Arsenault, salut Cathy. Lise voulait... Hey, Lise, ta commande est prête, Lise. J'ai toutes tes masques, puis j'ai tes deux tasses avec ton nom dessus. La tasse de Lise, je gervais en confinement. Et puis, qu'est-ce que j'ai? Tu m'avais demandé quoi? Ah oui, ta clé USB de chanson française. C'est prêt. Ça va être posté demain. Bon, ben, voilà. Ah oui, je suis toujours l'artiste du mois chez Espace Country. Là, il va y avoir l'entrevue qui va passer sur leur site. Et puis, n'oubliez pas, j'ai posté un petit truc qui dit « Avez-vous des questions à me poser? » Puis là, quand je dis « Avez-vous des questions à me poser? » Si vous écoutez mes lives, vous allez en savoir beaucoup sur ma vie. Mais il y a des affaires que peut-être que vous aimeriez savoir puis que je n'aurais pas dit. Mais attention, je vous l'ai dit là, pas de questions trop indiscrètes. Malgré que dans l'indiscrétion, on va... Il n'y a pas grand-chose que j'ai à cacher. Bon, René voulait. T'es là. Tout le monde est là. Alors, ce vendredi ici, là, on est lundi, mais vendredi, ça va être le 50e vidéoclip que j'aurai posté sur, depuis le début du confinement. Il faut en faire des vidéoclips. Alors, moi, c'est ce que je fais. Je me lève très tôt, 5h30, 6h, je suis debout. À 6h, je suis sur mon ordinateur. Mon chum, il me dit que je travaille trop. C'est vrai. Je pense que je sais pas ce que je vais faire si je continue, si je m'engage à continuer de faire mes vidéos du jour ou si je vais en faire un petit peu moins. Parce que là, ça va faire 50. C'est beaucoup. Ou ben non, je pars du premier. Peut-être que vous l'avez pas vu, puis je le repars. Ça me donnerait un break. Puis, c'est ça. Alors, pour ce qui est des lives du lundi, ça va continuer avec la bio. Hey, ma tante Nicole Méthode. Hey, bienvenue sur mon live, Nicole. Je suis contente que tu sois là. Montrer les objets de l'apéro avec Caro. Bon, l'apéro avec Caro, je vais en parler un petit peu. L'apéro avec Caro, ça change d'heure. Donc, c'est le jeudi, 5h au lieu de 3h de l'après-midi. Ça va être différent. La formule va être différente. Je ne ferai pas de bio là-dedans. On va avoir des thèmes, je ne sais pas, moi, country, acadien. Comme là, le prochain thème, là, ça va être l'homme parfait. J'ai beaucoup de chansons sur les hommes. Puis en plus, ben, ça va être... Michael va faire une petite intervention. Puis ma chum aussi va faire une petite intervention. Je vais vous présenter. Ça fait plusieurs fois, là, plusieurs fois que les gens me disent « Hey, tu ne nous présentes pas Christophe. » Fait que Joanne Nadeau va faire partie de votre vidéo. Tu ne nous présentes jamais, Christophe. Il veut pas. Il veut être dans la chambre, puis garde les commentaires, puis s'il y a de quoi qui marche pas, il intervient. Mais la semaine prochaine, il va peut-être bien le forcer à venir vous faire un petit coucou. Si je veux présenter quelqu'un qui a l'air parfait, ah, mon beau chéri, Pascal. Donc, tu veux vous montrer la perfection homme, il va falloir qu'il y ait un représentant. On va y aller avec Michael. Donc, je voulais faire mes remerciements à Sylvie Rivard, justement. Là, je ne sais pas si elle est à l'écoute, mais si elle ne l'est pas, elle va voir en rediffusion. C'est le fun, par exemple, parce qu'on peut voir en rediffusion. L'apéro, une émission sur notre radio en Belgique. Ben oui, Jean-Marie Sakala, avec qui je vais travailler, avec qui je vais collaborer très, très bientôt pour une émission qui va partir de la Belgique, mais qui va être diffusée partout. Bon, alors voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait? Bon, oh, la prochaine fois, je vais vous faire la visite de notre bureau. Ouais, on va attendre que j'aie ramassé mes affaires. Parce que cette semaine, on a fait une gros ménage du bureau. C'était tout rangé, tout beau. Mais moi, avec mes affaires de belle rebelle, là, c'est pas long que ça s'embourbe un peu. Bon, alors, je suis rendue à mon 10 minutes sur mon... sur ma bio. Donc, je vais juste faire 10 minutes sur la bio aujourd'hui parce que je vais continuer sur la fête des mères. En 2006, je suis rendue en 2006. Alors, je voyageais très souvent en France. Je voyageais 4 à 6 fois par année sur la France et je venais de sortir l'album Une belle histoire.
une belle histoire que j'ai encore fait, encore une fois fait avec Albert Babin. C'est lui qui l'a réalisé. On entend bien le son Albert Babin dans l'album Une belle histoire. Et je peux vous dire que l'album Une belle histoire, entre guillemets, là, c'est l'album qui s'est vraiment le plus vendu. Et pourquoi c'est l'album qui s'est le plus vendu? C'est pas compliqué. C'est parce que c'est sur cet album-là qu'il y a la chanson « Si demain ». Et la chanson « Si demain », c'est une chanson que je m'attendais pas à l'engouement pour cette chanson-là. Encore aujourd'hui, tu vois, de 2006 à aujourd'hui, en 2020, je vends encore plein d'albums « Une belle histoire », tout simplement, parce que les gens veulent encore acheter la chanson « Si demain ». Alors, c'est une chanson qui franchement m'a fait connaître ici, plus ici, parce que j'étais plus en Europe, mais cette chanson-là continuait à diffuser. On l'a diffusée plus d'un million de fois. Puis les gens, par rapport à cette chanson-là, m'écrivent encore régulièrement. Mes plus belles rencontres sont par rapport à la chanson « Si demain ». Et j'en parlerai pas plus que ça aujourd'hui, tout simplement parce que je vais faire un live avec cette chanson-là et avec les rencontres et ce que ça m'a amené, cette chanson-là. Et puis, j'aurai des témoignages, certainement, parce que c'est vraiment c'est une chanson qui m'a marqué puis qui aura marqué ma carrière. Donc, l'album Une belle histoire, mon Dieu, j'aurais dû vous l'emmener parce que je vous aurais nommé quelques titres là-dessus. Alors, il y a Une belle histoire, bien entendu. Il y a Cowboy Cajun. Il y a Mon beau chéri. Tout à l'heure, Pascal me disait Mon beau chéri. Il y a L'automne. Il y a Mère à partager. L'âge ingrat, premier rendez-vous. Alors, quasiment, absolument, toutes les chansons de l'album ont été des chansons, si on veut, qui ont été diffusées, puis qui ont été entendues. Donc, cet album-là, au grand complet, là, les gens l'ont écouté, puis l'ont demandé. Bon, alors, au lieu de vous jaser ça encore longtemps, je m'en vais vous chanter la chanson titre de cet album. Une belle histoire. C'est de là que ça part, mon histoire. Une belle histoire. Je viens vous raconter ce soir une tendre et merveilleuse histoire qui a commencé il y a longtemps dans la tête d'une fillette de 6 ans. Elle avait vu dans son miroir que vous seriez tous là ce soir pour venir écrire avec elle quelques-unes des pages les plus belles. Cette belle histoire, c'est ma vie et vous en faites partie, car vous écrirez ce soir des lignes de plus à ma mémoire que je pourrais relire et à chaque fois me dire la chance que j'ai chaque jour de vivre une belle histoire d'amour. J'aimerais ce soir vous raconter quelques chapitres de mon passé, comme une autobiographie, quelques-unes des pages de ma vie. J'aimerais aussi pouvoir vous dire les chapitres que j'aimerais écrire, mes rêves, mes passions, mes espoirs, je vous les livrerai ce soir. Cette belle histoire, c'est ma vie, et vous en faites partie, car vous écrirez ce soir des lignes de plus à ma mémoire que je pourrais relire et à chaque fois me dire la chance que j'ai chaque jour de vivre une belle histoire d'amour. Cette histoire n'est pas de la fiction,
pas non plus un roman savant. C'est un conte de fées étonnant. Et c'est ma vie, tout simplement. Une vie que je vous fais partager. Parfois drôle, parfois compliquée. Avec ses hauts et ses bas. Ma vie que je ne changerai pas. Cette belle histoire, c'est ma vie. Et vous en faites partie. Car vous écrirez ce soir des lignes de plus à ma mémoire que je pourrai relire et à chaque fois me dire la chance que j'ai chaque jour de vivre une belle histoire d'amour. La chance que j'ai chaque jour de vivre une belle histoire d'amour. Alors, j'ai écrit une belle histoire parce que à cette époque-là, en ma vie, c'était vraiment un beau roman. C'était tout était vraiment merveilleux. J'avais deux beaux enfants, ma carrière, ça allait bien. J'étais heureuse par-dessus la tête. Puis ensuite, plus tard, j'ai écrit l'histoire d'une femme. Alors là, l'histoire d'une femme, ça, c'est d'autres choses. Mais c'est la suite à mon histoire. En fait, ma vie, c'est une histoire, puis c'est plein de chapitres. Et c'est plein d'évolutions au travers ça. Puis au travers mes albums, c'est ce que vous entendez. Du premier jusqu'à Belle Rebelle, jusqu'au dernier, on voit mes états d'âme, mes états d'être de l'époque. Donc, une belle histoire, c'était 2006. Et puis là, ben, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est avec Albert Babin. Dans celui-là, il y avait aussi « Je suis découragée ». Ah, c'était, ouais, c'est mon beau bum, « Je suis découragée ». Donc, bon, alors à cette époque, je travaille avec Alain Perron. On travaille sur la France et on travaille, comme je l'ai dit la semaine passée, beaucoup à représenter le Québec, à représenter la francophonie. On fait toujours ça. Et puis, c'est à cette époque-là que s'est créé un fan club sur le country. Donc, cet album-là, vous allez le constater, c'est le plus country. C'est celui-là qui est vraiment le plus country. Et à cette même époque, il y a Radio-Canada qui a tourné un reportage sur mes déplacements, puis sur le country en France, puis qui m'a suivi, qui est venu dans mes spectacles, qui a tourné, et puis qui a interviewé des fans. Donc, ce petit reportage-là, je vais... puisque je peux prendre... le live et puis mettre un montage. Dans le live avec montage, je vais introduire le petit reportage qui a passé à Radio-Canada qui parlait de tout ça. On est rendu où? Alors, je me mets des notes. Ah, on est rendu... il arrive 3h30. Alors, ce que je vais... Oui, à cette époque-là aussi, quand j'étais pas en France, je faisais beaucoup de tourner en Acadie, un petit peu plus en Acadie. Puis, j'ai délaissé beaucoup, beaucoup l'Acadie depuis quelques années. J'allais aux îles de la Madeleine régulièrement et en Acadie régulièrement. Et là, j'y vais beaucoup, beaucoup moins. On va voir là, cette année avec le confinement, qu'est-ce qu'on peut faire comme voyage. Bon, là, je vais m'ouvrir une petite quelque chose et puis je vais boire une petite gorgée dans mon beau petit porte-gobelet Rosalie Vigneault. Bon, je dis bonjour à tous ceux qui se connectent. Erwan, c'est une belle histoire. Alcide, bonjour. À la vôtre. On va virer ça de bord. Là, je m'apprête à vous chanter une chanson que j'ai mis dans le thème d'aujourd'hui, que j'ai fait jouer ce matin, qui est une chanson, oh mon Dieu Seigneur, qu'elle me touche, mais qu'elle me touche. Les yeux de la maman, c'est une chanson de Kendé Girard. Ça n'a pas été très connu ici, mais c'est très connu quand même en France. Et moi, chaque fois que je entends cette chanson-là, j'ai vraiment
Elle est magnifique. Alors, je vais vous faire cette chanson. Alors, le jour où notre mère nous quitte, un gros morceau nous quitte, mais on a toujours, on se rappellera toujours de ses yeux doux. Alors, voici les yeux de la maman. Quand j'ai foi, elle se fait lumière, comme un soleil dans l'existence. Quand j'ai mal, elle se fait prière, elle me dit tout dans un silence. Quand je souffre, elle souffre avec moi. Quand je ris, elle rit aux éclats. Mes chansons sont souvent pour elle, elle sera toujours ma merveille. Quand je ne suis pas à la hauteur, elle m'élève plus haut que le ciel. Elle est la splendeur de splendeur. Elle est la sève, elle est le miel. C'est son sang qui coule dans mes veines. Et des souvenirs par centaines bercent mon cœur de mille étoiles. Elle est ma quête, elle est mon graal. Oh mon Dieu, laissez-les-moi les beaux yeux de la maman. Enlève-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Quand je me blesse, elle est douce, comme une caresse dans l'existence. Quand j'abandonne, elle devient lionne et me relève avec patience. Quand j'ai la folie des grandeurs, elle me ramène sans me faire mal. Elle est dans ce monde infernal, mon étoile parmi les étoiles. Oh mon Dieu, laissez-les-moi les beaux yeux de la maman. Enlève-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Oh mon Dieu, laissez-les-moi les beaux yeux de la maman. Enlève-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Ouais, c'est une belle chanson. Alors, Louisette, oui, je suis chanceuse d'avoir une fille qui me chante cette chanson. Là, j'ai pas lu tous les commentaires avant ça, mais ouais. Mais quand on demande à ma mère, là, elle dit, je vois son petit commentaire qui vient de passer, mais si vous demandez à ma mère, es-tu fière? Ma mère, elle n'ose jamais dire qu'elle est fière plus de moi que de ses autres filles. C'est une mère tellement aimante. Et elle, oui, elle est fière de moi, elle le dit, mais elle est aussi fière des trois autres autant qu'elle l'est de moi. Et tout à l'heure, la belle Cathy me disait, Cathy, tu me disais que ça fait un an aujourd'hui que ta mère est décédée. Je suis de tout cœur avec toi. Je suis aussi de tout cœur avec Solange Poulin qui est là. Solange aussi, tu as perdu ta mère très récemment, en plus de ton conjoint très récemment. Donc, je sais que tu es là, je te vois. Je suis avec quoi? Je suis avec, de tout cœur avec tous ceux qui n'ont plus leur mère. Alors, là, la prochaine chanson, c'est une chanson que je dédiais à France Gall. Mais c'est une chanson qui me suit depuis ma jeunesse. J'ai toujours aimé beaucoup, beaucoup France Gall.
Et cette chanson-là m'a habité énormément. Parce que même si on a une vie qui semble être une vie de bonheur parfait, ça n'existe pas, les vies de bonheur parfait. Alors, si je partais souvent comme ça en France et que je vous disais que j'avais deux beaux enfants, une famille extraordinaire, je partais parfois longtemps. Et pas toujours dans des conditions nécessairement. Dans ma tête, des fois, c'était... Je vivais de la solitude. Je vivais des grands moments de solitude. Oui, on a beaucoup d'amour du public, mais quand on se retrouve toute seule, on se dit, est-ce que ça vaut la peine, tous ces sacrifices-là? Parce que, oui, c'est des sacrifices. J'ai décidé de faire une carrière et... oui, j'avais quelqu'un pour avoir soin de mes enfants. Alors, cela, ça s'en vient, là. C'est dans la prochaine partie de mon life. Je vais vous parler d'une autre personne, d'une autre mère extraordinaire. Mais pendant une période, pendant une longue période, entre Homo Complexus et l'histoire d'une femme, je me retrouvais en France et je me retrouvais avec ma belle Cathy, Cathy Armand, qui faisait des tours avec moi. Elle venait me chercher à l'aéroport, puis... on partait en tournée ensemble, partout où j'allais. C'était comme un peu mon assistante. Alors, Cathy. Mais avant Cathy, j'avais eu Nicole Moreau qui a fait le même rôle. Il y avait aussi Marie-Claude Druet et Hervé, qui aussi en fait ce rôle-là pendant quelques années. Alors là, c'était Cathy dans mes moments les plus... hein? Fabrice et tout, ben oui, Fabrice, my God. Fabrice et tout, puis là, il vient encore, Fabrice. Mais dans les moments les plus difficiles de ma vie, c'était Cathy qui était là. Avec Cathy, on a vécu des choses dures. Alors, c'était pas toujours joyeux. Puis, j'aurais pas voulu le dire à ma mère, j'aurais pas voulu lui donner plus d'inquiétude qu'il n'en faut. Donc, je vais vous chanter cette chanson-là, parce que c'est une chanson extraordinaire. Si, maman, si. Moi, je me revois dans ces moments-là. Tous mes amis sont partis, mon cœur est ménagé, mes vacances, c'est toujours... Paris, mes projets c'est continuer, mes amours c'est inventer. Si maman si, si maman si, maman si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman si, mais mon avenir reste gris et mon cœur. Et le temps défile comme un train. Moi je suis à ma fenêtre. Je suis si peu habile que demain le bonheur viendra peut-être sans que je sache le reconnaître. Si maman si, si maman si, maman si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman si, mais mon avenir reste gris et mon cœur aussi. Mon cœur est confortable, bien au chaud, et je laisse passer le vent. Mes envies se perdent, je leur tourne le dos et je m'endors doucement, sans chaos ni sentiment. Si maman si, si maman si, maman si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman si, mais mon avenir reste gris et mon cœur. Si maman si, si maman si,
maman, si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman, si, mais mon avenir reste gris et mon cœur aussi. Merci Philippe, merci Christian Racine, merci Bernard Larrieux. Alors c'est toujours, je vous retrouve hein, régulièrement toutes les semaines. Oui, « Si maman si », c'est une chanson qui me trouble parce que, bon, oui, ça n'a pas toujours été nécessairement facile. Alors, petite gorgée à votre santé. Maintenant, je vais vous parler de quelqu'un d'autre, un autre, quelqu'un dans ma vie de hyper important. Et il s'agit de la deuxième mère la plus merveilleuse au monde. Il s'agit de ma belle-mère. Cette femme extraordinaire. L'année dernière, même époque, je lui faisais un spectacle hommage à la fête des mères, à l'Apocatière. Elle avait 80 ans. Elle a eu 80 ans, 81 ans le 1er mai. Et l'année dernière, donc 80 ans, c'était important. Ça, il fallait que ça se fête. Alors, à l'Apocatière, à la basilique, à l'église, j'ai fait un spectacle hommage, fête des mères, où elle était là avec ma mère et mes enfants et quelques membres de ma famille. Et j'ai tout chanté cette chanson-là qui me tient à cœur. C'est un spectacle assez personnel, mais quand même, ça s'adresse aussi à tout le monde, hein, parce que, bon, on se retrouve dans les chansons. Donc, ma belle-mère, c'est quelqu'un qui a pris soin de mes enfants. Alors, je me rappelle, au début, mon premier garçon, en 95, j'ai eu Maxime. Et je l'ai appelé Maxime tout simplement pour faire perpétuer le nom de Maxime Lévesque, qui est décédé lundi dernier. Mon beau-père, mon ex-beau-père, est décédé lundi dernier. Donc, pour l'anniversaire de ma belle-mère et pour la fête des mères, bon, elle n'a certainement pas passé des anniversaires très réjouissants, mais elle était entourée quand même de mes enfants, puis de ses enfants. Donc, ça va. C'est une mère, quand on dit parfaite, c'est une mère parfaite. Elle a consacré sa vie aux enfants. Jamais, on s'est mal entendu sur comment élever les enfants. Chaque fois que je revenais d'une tournée, elle me redonne ma place. Si mes enfants me disaient, demandaient quelque chose à leur mamie disait, ta mère est revenue, c'est à elle de le demander, qu'il faut que tu le demandes. Donc, elle me donnait la place que je voulais avoir. Par exemple, je ne pouvais pas tout faire parce que c'était elle qui prenait soin d'eux, mais par exemple, les devoirs, les enfants là à l'école, et puis c'est elle qui veillait à leurs devoirs. Alors moi, si j'arrivais de tourner, bien entendu, je ne pouvais pas arriver et dire « je vais t'aider dans le devoir » parce que j'étais out, j'étais pas là, là. Alors, elle continuait ce qu'elle faisait, puis elle me donnait la place. Moi, j'avais l'impression, savez-vous quelle impression que j'avais? J'avais l'impression d'être une grande sœur. C'est ce que j'avais l'impression. Une grande sœur qui arrive de travailler et puis qui est là pour les réjouissances, qui est là pour le fun. Alors, avec moi et mes enfants, on s'amusait, c'était le fun. Alors, ce qui était bien, c'est que des fois, je dis j'étais pas assez présente de mes enfants, mais c'est pas nécessairement le cas. Je vais vous expliquer. Si on est une mère 7 jours sur 7 à la maison, mais qu'on est une mère au travail, alors, on se lève de bonne heure à 7 heures avec les enfants. Et à 7 heures, c'est la course. Parce qu'il faut tout faire, puis nos enfants, ben, il faut les envoyer à l'école. Donc, on n'a pas le temps de qualité qu'il faut. Après, les enfants arrivent de l'école. Mon Dieu, toi, tu arrives de travailler. Il faut les devoirs, il faut le souper. Après ça, tu es fatigué, ben Dieu. Alors, le temps de qualité, tu le trouves où? C'est juste du temps pour prendre soin, en fait. Et moi, ben, j'avais de la chance. Énormément de chance. Parce que celle qui se tapait le souper, puis celle qui se tapait toutes les affaires, c'était ma belle-mère. Moi, ce que j'avais, c'était le meilleur, c'est-à-dire le temps de qualité avec mes enfants. Quand j'étais à la maison 24 sur 24 avec eux. Donc, on peut regarder ça de différentes manières. Est-ce que j'ai manqué quelque chose ou est-ce que j'ai profité plutôt de quelque chose?
Alors, puisque maintenant on peut prendre du recul, parce qu'à l'époque, j'avais un grand sentiment, un grand genre de sentiment de culpabilité à avoir choisi d'aller chanter plutôt que rester à la maison avec mes enfants. Puis aujourd'hui, ce sentiment-là, absolument pas. Puis je vais vous dire pourquoi j'ai plus ce sentiment-là. J'ai plus ce sentiment-là tout simplement parce que j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de merveilleusement bien. Merveilleusement bien pour qui? Pour tout le monde. Pour ma belle-mère, qui a eu la chance de profiter de mes enfants, qui les a vus grandir. Et pour elle, c'était, elle me l'a toujours dit, pour elle, c'était une bénédiction. Elle m'a toujours dit que c'est un merveilleux cadeau. Elle m'est reconnaissante au bout pour ça, comme je suis reconnaissante de la même façon. Alors, pour elle, c'était merveilleux. Pour elle et Maxime, son mari, c'était merveilleux d'avoir une jeune famille, en fait. Ça lui donnait un regain de vie, d'avoir une jeune famille. Mes enfants, quel privilège de pouvoir grandir auprès des grands-parents. C'est un privilège. Donc, ces enfants-là ont connu, puis ils ont un respect pour les personnes âgées. Ma belle-mère n'avait pas besoin. Jamais dans cette maison, il y avait un ton plus haut que l'autre. Jamais on levait le ton à la maison. C'était une ambiance magnifique. Jamais mes enfants auraient contredit ce qu'elle voulait. Moi non plus. Moi non plus. Alors, ils ont grandi auprès de leurs grands-parents. Moi, j'ai eu la chance de grandir auprès de ma grand-mère et je vous le jure, c'est un grand privilège. Alors, si vous êtes des grands-parents qui m'écoutez aujourd'hui, puis que vous avez la chance de pouvoir avoir vos petits-enfants, profitez-en. Puis, c'est sûr qu'il n'y a pas de petits-enfants qui m'écoutent, là, mais c'est super de pouvoir avoir nos grands-parents. Bon, OK. Alors, j'ai partagé mes enfants. Tout ça pour dire que j'ai partagé mes enfants et que sur l'album de 2006, Une belle histoire, ben, il y a cette chanson-là qui est mère à partager. Donc, je vous chante ça immédiatement. Je suis encore dans un avion qui traversera l'océan. Je pars à nouveau loin de vous, ma famille que j'aime plus que tout. Je suis pas une mère conventionnelle. Je partage mon cœur à grande échelle, mais tout l'amour que je peux donner, c'est en vous que je viens le puiser. Pour vous, mes amours, mes deux cœurs, mes diamants précieux, ma chaleur. Vous êtes tout le sens de ma vie. Mon bonheur porte vos noms aujourd'hui. Je ne suis pas une mère conventionnelle. Je partage mon cœur à grande échelle. Mais tout l'amour que je peux donner, c'est en vous que je viens le puiser. Pour toi, le père que j'ai choisi, qui m'a aimé et qui m'a compris, toi qui as su comment m'aimer, en me donnant confiance et liberté. Mamie au cœur d'or qui me remplace, respectant si bien ma vie, ma place. Merci d'aimer tellement mes enfants, de leur donner soin, amour et temps. Mais cette fois je reviens à la maison, reviens vers ce que j'aime et admire. Mes enfants, ma famille. Je ne suis pas vous, ma plus belle chanson à vie. Je vous demande de me pardonner, de n'être qu'une mère à partager.
mais cette fois je reviens à la maison. Reviens vers ce que j'aime et admire, mon refrain, mes enfants, ma famille. Je ne suis pas une mère conventionnelle, je partage mon cœur à grande échelle. Mais tout l'amour que je peux donner, c'est en vous que je viens le puiser. C'est en vous que je viens le puiser. Ouais, ben j'en ai manqué un petit bout, mais... Puis là, je pouvais pas me... on ne pouvait pas se reprendre, c'est live. Mais c'est ça, c'était « Mère à partager », donc une chanson que j'ai écrite avant « L'être à mes enfants ». Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu longtemps un grand sentiment de culpabilité. Mais aujourd'hui, ce sentiment de culpabilité-là, comme je vous l'ai dit, il est parti. Et avec l'album « L'histoire d'une femme », ben j'ai écrit une lettre à mes enfants. Quand je chante cette chanson en spectacle, « Lettre à mes enfants », je dis que c'est une chanson qui m'a pris 17 ans à écrire. Et c'est vrai que c'est une chanson qui m'a pris 17 ans à écrire avant que je termine de l'écrire positivement. J'arrivais pas à écrire une chanson positive tellement je me sentais mal avec la situation. Aujourd'hui, cette chanson-là devient une chanson très positive parce que je suis bien avec moi-même, avec ce que j'ai fait. Si c'était à recommencer, rien du tout que je change. Tu sais, quand on dit « te changeras-tu ta vie », je ne changerai aucun moment de ma vie. Je passerai par toutes les étapes de ma vie parce que c'est toutes ces étapes-là qui font en sorte ce que je pense aujourd'hui et qui me rend si libre dans ma tête et si bien. Donc, non, je ne changerai pas. Et maintenant, ben, je suis en paix pour vous chanter cette chanson qui m'a mis 17 ans à écrire, que je dédie à mes enfants, que je dédie à tous les mères qui ont ce sentiment-là en dedans d'elles, parce qu'elles travaillent, parce qu'elles ne passent pas du temps, qu'elles se demandent. Oh, cette fameuse question, est-ce que je suis une bonne mère? Est-ce que je suis une bonne mère? Est-ce que je fais les bonnes choses? Toutes les mères se la demandent, cette question-là. Je suis sûre que toutes les mères au monde se demandent cette question-là. Posez-vous pas de questions. La vie va vous répondre. Puis vous allez pouvoir juger qu'une mère, il n'y a pas de manuel d'instruction. Tu es une mère avec ton cœur et tu fais ce que ton cœur te dicte. Alors voici l'être à mes enfants. Allez hop! J'écris mille fois vos prénoms sur le papier. Et l'être à mes enfants restait un titre inachevé. J'écris tellement souvent ce que je ne vous ai jamais dit. Pendant que vous, entre-temps, vous avez bien grandi. J'ai pris chaque fois un crayon qui me dictait des mots. Le reposant chaque fois, le cœur à fleur de peau. Trop de larmes dans les yeux, m'empêchant d'écrire les mots que cent fois j'aurais voulu vous dire. Je pourrais aujourd'hui perdre la voix, perdre le reste de mes combats. Car ma plus belle chanson à vie, c'est vous deux qui l'aurez écrit. Je ne serai jamais fière de n'avoir pas été à la hauteur de la mère que vous auriez mérité. Mais ce qui me donne le courage de me pardonner, c'est vous voir aujourd'hui si bien évoluer. Je vous vois grandir heureux et bien dans votre peau. Le regard plein d'amour, vous êtes tous deux si beaux.
Vous me rendez tellement fier que pour moi il est clair que malgré mes regrets, je n'aurais pas mieux fait. La définition du mot mère, je ne l'ai pas écrit. J'ai juste écouté mon cœur et fait ce qu'il m'a dit. Mais quelque chose dans votre voix me rassure totalement. Quand de votre bouche j'entends le mot maman, je pourrais aujourd'hui perdre la voix, perdre le reste de mes combats. Car ma plus belle chanson à vie, c'est vous deux qui l'aurez écrit. Aujourd'hui, je n'ai plus de doutes, de regrets, de questions. Et je remercie la vie en posant mon crayon, mon âme posée sur le papier. Vous le dites sincèrement, le plus beau cadeau que m'a fait la vie, c'est vous deux, mes enfants. Le plus beau cadeau que m'a fait la vie, c'est vous deux. Alors ça, c'était pour mes enfants. Et je vois qu'il y a ma nièce, une de mes nièces qui s'est connectée, Audrey Lévesque. Audrey et Roxane, les filles de ma sœur Karina, que je considère comme mes propres filles aussi. Je les aime pratiquement autant que mes propres enfants. Ces deux amours de filles. Audrey, t'es là, je sais que je t'aime tellement fort, toi et ta sœur. C'est en fait, Audrey et Roxane, ce sont les sœurettes de mes deux garçons. Parce que, pour vous expliquer, vitement, parce que commence à être tard, pour vous expliquer vitement, le père de mes enfants, mon ex, et Marco, son frère Marco était avec ma sœur Karina et moi avec Dani. On a eu, salut ma tante. On a eu des enfants, moi deux gars, ma sœur deux filles, ils sont devenus des frérots, des sœurettes, et ils sont comme ça. C'est comme des vrais frères et sœurs, des vrais. Donc, on partage ça. Hein? Donc, bonjour Roxane, es-tu là? Je ne sais pas, en tout cas, Audrey est là. Je vous salue, mes belles nièces d'amour. Roxane est avec moi, on t'aime. Moi aussi, je vous aime, mes belles filles. OK, alors on est à veille de terminer cette émission consacrée aux mamans. Donc, je vais terminer. Vu que j'ai aussi fait l'année 2006 avec une belle histoire, ben je vais terminer avec l'histoire d'une femme. Maintenant, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Une vie, hein, c'est beaucoup de choses. Une vie, c'est des hauts, c'est des bas. C'est des drames, c'est des joies. Mais par chance que... Toutes les épreuves font en sorte qu'on grandit, on évolue. Alors, l'histoire d'une femme, c'est ça. Cet album-là, qui est l'histoire d'une femme, c'est justement cette prise de conscience qu'on vieillit, qu'on prend de la maturité. C'est un album de femmes matures, il y a ça dessus. On prend de la maturité et on devient mieux, on devient belle, plus belle, je l'espère. Moi, c'est ce que j'ai l'impression. J'ai l'impression d'être devenue plus belle que quand j'étais plus jeune. Hein? La beauté, pour moi, c'est plus dans la tête que ça se passe. C'est là. Alors, je vais faire cette chanson-là sur laquelle je vais terminer. Je vais vous dire aussi qu'est-ce qui se passera la semaine prochaine. Donc, n'oubliez pas, jeudi, c'est maintenant l'heure de l'apéro. C'est l'apéro avec Caro. Donc, jeudi, 17h, l'apéro avec Caro. Alors, je vous laisse sur l'histoire d'une femme. Ce soir, je vais vous parler d'elle. Sa vie paraît exceptionnelle. Mais c'est seulement l'histoire d'une femme. Avec ses rêves, avec ses drames,
une femme qui derrière un micro cache un cœur qui aime un peu trop. Une femme qui aurait tant à dire, mais qui ne veut que vous voir sourire. Car pendant tant d'années, vous l'avez vu livrer une étonnante joie de vivre. Les pages merveilleux livres sur toutes sortes de peines et au-delà de ses peines, car sous les projecteurs, elle n'a plus de pudeur. C'est l'histoire d'une femme ordinaire et c'est aussi l'histoire d'une mère, celle d'une sœur ou bien d'une amie. C'est l'histoire d'une femme d'aujourd'hui, une femme qui pleure ou bien qui rit, qui a aimé, qui a appris. Une femme qui pourrait être bonheur, mais qu'on met sur un piédestal. Elle entre assurée sur la scène, et puis très vite, elle vous emmène dans son univers de délire, passant de l'absurdité au rire. Elle vous apportera un moment au cœur de profonds sentiments, où elle vous présentera un monde entre la bêtise et la honte. Car pendant tant d'années, vous l'avez vu livrer une étonnante joie de vivre les pages merveilleux livres sur toutes sortes de scènes et au-delà de ses peines, car sous les projecteurs, elle n'a plus de pudeur. C'est l'histoire d'une femme ordinaire et c'est aussi l'histoire d'une mère, celle d'une sœur ou bien d'une amie. C'est l'histoire d'une femme d'aujourd'hui, une femme qui pleure ou bien qui rit, qui a aimé, qui a appris. Une femme qui pourrait être banale, mais qu'on met sur un piédestal. Pourtant, sous des habits de scène, se cache une femme incertaine, qui a vécu des moments durs, des déceptions et des blessures. Une femme à qui le courage aura inspiré bien des pages et qui continue un combat qu'elle chantera jusqu'à bout de voix. C'est vous qui lui donnez la force de continuer, le pouvoir d'ouvrir son cœur, d'y faire entrer le bonheur. Vous qui aurez écrit ce roman inédit qui est la simple histoire d'une femme et ses espoirs, d'une femme et ses espoirs. C'était mon roman à moi et mon hommage aux femmes de ma vie, ma mère et ma belle-mère. Alors, je vous laisse là-dessus. Et là, j'ai un petit truc qui est apparu pendant que j'étais en train de chanter. Demain après-midi, à 3h, je ferai une entrevue avec des gens en live aussi sur la Radio des Amis. On va mettre le lien
sur le site pour que vous puissiez aller le voir. Alors, demain, si vous voulez encore entendre parler de moi, parce qu'il y aura encore plein de choses à dire, vous pouvez vous connecter sur Radio des Amis. On mettra le lien et je ferai une petite entrevue pour vous. Alors, Caroline Grisel qui était là, Diane Landry, Cathy, André Plante, Rosalie Vignon, tout le monde qui était là aujourd'hui. J'ai pas tout nommé, Mélanie Abel. Je vous nomme pas toutes, mais je vous ai vu passer. Et je vous remercie d'être là. Soyez là encore jeudi. Jeudi, on va s'amuser. Bye bye.